Salut les gamers, on se retrouve sur JSO Gaming pour la suite de The Order 1886. La dernière fois je vous avais laissé là devant la... devant l'entrée du métro, je crois que c'est l'entrée du métro. Donc voilà, bah écoutez, c'est... Bah, même temps le métro 1886, je pense pas que ça existait. Bah devant une entrée. Ok, c'est le bordel un peu. C'est le bordel. Ah, ils sont prêts. Ah, ils sont chauds. Ah, ils sont chauds patates. Allez, on est reparti. Avec moi, elle monte ça avec grâce, hein, franchement. C'est bon. En avant. Sortez d'ici, trouvez des armes. Vous deux, ramenez vos mythes ici, venez m'aider. Allez. Allez. Comme on dit, foutre le bordel en ville. D'autres fugitifs dans la ruelle. Certains se dirigent vers l'atrium. Allez. Pour l'instant, on gère bien, tranquillou. Je sens qu'il y a l'air assez autre. Elle a tête U. Elle a tête U, la madame. Monsieur qui restait. Oh, des escaliers. Allez, viens, mon garçon, montre-moi ta tête. Tu l'as pas montré deux fois, je peux te dire. Là, elle est pas mal. On est pas mal. Regarde, je l'ai pas vu. Il faut que je recharge. Bon sang. Il y en a quelques autres dans la triade. Je recharge vite fait avant. Laissons les dames d'abord. C'est verrouillé. J'entends du bruit à l'intérieur. Vite. D'autres fous à l'intérieur. Oui, baby, mais tu fasses quoi? Tire maintenant. Bah c'est bon, hein, j'ai fait une pleine tête, ça a rien tiré après moi, hein. La fille qui me fait vachement confiance. Izzy s'est fait toucher. Ça va. C'est une boucherie. T'es prête? Dégagez ces ordures. On a des fumigènes maintenant. Excusez-moi pour le bruit du téléphone. Ah, je peux pas le couper. Ah, excusez-moi, hein, vous savez au moins que je suis dans une maison. Oui, il y a le téléphone, c'est pas mal déjà.
Allez, c'est bon, pleine tête. C'est bon, y'a personne. On file. On continue. Allez, pour l'instant, y'a personne. Ouais, je les ai vus, t'inquiète pas. Hop. Hop, voilà. Pleine tête, c'est toujours plaisir. Merde. Non mais sérieux. Ah, tu l'auras mérité celle-là, mon garçon. Te foutre de ma gueule comme ça. Hop. Ah, ah là quand même. Il y en avait d'autres à l'étage supérieur. Nous devons y aller. Allez, un peu recharge. Non, c'est pas par là. Si, c'est par là. C'est par là, c'est juste que t'es lente. C'est ça. C'est ça. Là, je peux pas rentrer, c'est bon. Allons au deuxième étage. Ils ont l'air motivés, sérieux. Presque. Encore une matinée ordinaire à Londres. Eh oui. J'espère que ça ne fait que commencer. Il est galant, c'est gentil. En fait, malgré sa blessure, elle est tranquille. Franchement, il court bien, il n'y a pas de souci. Allez, viens là, mon petit garçon. Voilà. Merde. Oh putain, pleine tête. C'est bon quand ça se passe comme ça. Putain, j'arrive même pas à le viser. Voilà, c'est bon. Voilà. C'est ce qu'on voulait, c'est cool. Allez, on continue. Putain, mais elle est chiante, elle avance à rien, elle, sérieusement. À moi ça, toi. Je peux rien faire si elle est pas là, madame. Sympa comme ça les tirs ralentis, je trouve. On voit vraiment les actions. Les actions se faire. Hop. Voilà. C'est réglé. Comme d'hab, on recharge. Vous deux. Chef, descendez. Il y a des civils en détresse. Oui, chef. Chef, le général Lafayette est à côté. Chef, oui, chef. C'est une blague. Est-ce qu'il y a une femme dans cette ville qui ne va pas séduire? C'est ton problème. Essaye de pas t'attarder. Excusez-moi, monsieur Lafayette, pouvez-vous arrêter? Ah, monsieur, cette
demoiselle requiert mon attention. Marquis, mon attention est requise ailleurs. Je suis sûr, mademoiselle, que seul mon vœu de fidélité m'empêche d'accepter votre invitation. Oh, Marquis, ne partez pas ainsi. Hélas, mademoiselle, mon devoir m'a cavalier. Franchement, qu'est-ce que ça fout là, ça? Hein? Ravissante, n'est-ce pas? Je n'avais pas vu. C'est parce que vous n'êtes pas français. Vous êtes le plus américain des Français que je connaisse. Je suis un amoureux de la liberté. Un vrai chevalier doit réprimer ses passions. Sans passion, monsieur, un homme ne peut combattre. On ne combat pas du tout. Homme hybride, quelle importance. Vive la liberté! Étrange, je dirais même bizarre. On y va. J'adore le style, franchement. Le style du mec, j'adore. Marquis, prenez cette entrée avec Dame Ygraine. Je prends celle-ci à la recherche du dernier fugitif. Oui, monsieur. Monsieur. Allez, c'est parti. On est tout seul ce coup-ci. Le général à tous les chevaliers se trouvant à proximité de mes fers. La police vient de boucler les zones concernées. Les sentinelles continuent de patrouiller. Nous alerterons si nous repérons les patients ensuite. Compris. Je sais rien s'il y a quelque chose, mais... Y'a rien... Galahad, où est-ce que tu es rendu? Dans la salle des générateurs. On a décidé de se séparer avec la baguette pour nos recherches. Oui, mademoiselle. Je n'ai pas rencontré de résistance. C'est beau d'étager la stage-là. Moi, je dis franchement, c'est beau. J'étais sûr de te battre sur ce coup. N'oublie pas, les jeunes gagnent toujours. Les jeunes gagnent toujours, tu verras. Tu changeras d'avis à force. Je te montrerai de quoi je suis capable. Sympa, hein? Je trouve aussi. Mademoiselle, êtes-vous proche de lui? La route est bloquée. Il va falloir du temps pour le rejoindre. Putain, j'aimerais bien lire ça, là. Je peux pas. Ouais, j'ai appuyé sur le bouton X, hein. Rien à foutre. Allez, on va l'achever. Cible confirmée sur côté. Dégage.
Hop là. Hop là. Alors, vous voyez que je suis pas si vieux que ça. Non mais franchement. Putain, fils de chien qui attendait son pote. Allez, ça c'est fait. Monsieur, accrochez-vous. Je suis prêt. Voilà, allez, hop. Hop là. T'esquives. Allez, il est là-bas. Allez, c'est bon. Là, c'est bon, ça va être bon, quoi. Monsieur! Qu'est-ce qui s'est passé? Je sais presque tout de suite. Le dernier s'est enfui. Tigraine, promets l'électrofusil. Je remonte au niveau de la rue et je le suis. Partez par là et interceptez-le. Compris. Ça m'a mal aux yeux, la lumière. Hein. Je peux pas dire. Il est rendu où? Allez, on se dépêche. Allez, on est pas loin. Ah putain, c'est mort. Allez, on est pas loin. On peut le faire. Allez. Allez, allez. Allez! Je t'en cuis un peu. Voilà. Elle est belle la bestiole, hein. Tout le monde va bien? Oui. Perceval, menace neutralisée ici. Bien. J'ai réussi à capturer l'un des hybrides. On se retrouve sur les armes. Bien reçu. On y va. Qu'est-ce qu'on doit faire avec lui? Westminster, les catacombes. On s'occupera de lui plus tard. Ah, Sir Perceval. Je pensais bien que l'ordre des chevaliers de Sa Majesté était appliqué. Nous soupçonnions une incursion rebelle, commissaire. Conjecture élémentaire. En ce cas, ceci vous intéressera peut-être. Whitechapel. Rien de tangible, bien sûr. Je peux le seul. Les preuves indirectes peuvent vous révéler en force, mon cher Sir Perceval. Elles pointent dans une direction, mais changez votre point de vue et vous réaliserez qu'elle pointe de façon tout aussi convaincante vers toute autre chose. Bien. Partagez vos théories avec moi, commissaire. Il y a la rébellion, puis ce Jack, ainsi que le ventreur, puis ceci. Étrange, n'est-ce pas, que Whitechapel se retrouve au cœur des récents démêlés. Il faut étudier le moindre indice. Le conseil se réunit dans deux jours. Si vous nous faisiez l'honneur de présenter vos découvertes. Comptez sur moi à Westminster. Oh, ici, chef. Excusez-moi. Où étiez-vous? Le trafic londonien. En général, que fait-on des hybrides qui se sont enfuis par Hyde Park? Poursuivons-les. Non. Mais notre devoir est de les poursuivre, monsieur. Marquis, nous ne chassons pas des Anglais sur les murs de Londres. Notre tout mérité sera requis au moment où. Oui, mon général. Je me souviens. Perceval, vous conviendrez sans doute que pour le moment, cette affaire concerne la police. Bien sûr. Quelque chose cloche. Il paraît qu'intègre Whitechapel avec la rébellion. C'est une chose de moi qui m'inquiète. Je compte tout le temps tant d'hybrides dans la ville. Nous devrons le découvrir par nous-mêmes. Le commissaire Doyle dit que la police se charge de l'affaire.
Les chevaliers ne renoncent pas à l'autorité pour aucune. Personne n'a raison. Il faut porter cette affaire au conseil. Bon bah voilà, on est bien avancé, mine de rien. Mais notre ordre s'est toujours acté. Ah, c'est le conseil, ça. Sacré, en préservant l'équilibre entre homme et hybride. Elle, la quête du fondateur, du roi. Que son nom puisse briller à jamais. C'est vrai. Le grand chancelier s'est battu aux côtés d'Arthur, d'après la légende. Aujourd'hui, l'équilibre est menacé par une épidémie qui n'a aucune commune mesure, d'un rébellion. Tant que nous laisserons l'anarchie et la terreur se propager sans limite, le terrible fléau mutant qui s'est abattu sur notre bonne ville se développera et l'avalera. Le grand chancelier reconnaîtra sans doute l'urgence d'une mission à Whitechapel. Whitechapel est l'affaire des autorités civiles. Quand le noble Arthur voulut éprouver la loyauté de l'empereur romain Lucius, il fit peu de cas de la notion de juridiction. Vous pouvez garder pour vous vos leçons d'histoire, Sir Perceval. J'ai été témoin de plus d'événements que vous. Je rappelle aux chevaliers présents que la menace qui pèse sur l'ordre n'est pas seulement extérieure. Méfiez-vous. Soyons tous vigilants ensemble. Sous peine de voir nos rangs se faire contaminer par ceux qui veulent détruire tout ce qui nous est cher. Personne n'est immunisé contre l'influence rebelle. Le grand chancelier ne peut mettre en doute la loyauté de Sir Perceval. De tout temps, l'ordre a apprécié les conseils de Sir Perceval. Mais les troubles actuels requièrent prudence et effort conjoint, pas une riposte hâtive. Sir Perceval doit être entendu, grand chancelier. La situation à Whitechapel a besoin d'être débattue. Lord Darwin parle-t-il au nom de ses pairs? Lord Hastings, Lord Danglars? Tout à fait, grand chancelier. Peut-être que la question doit être soumise au conseil. Or bien, comment statue l'ordre des chevaliers royaux de Sa Majesté sur l'affaire Whitechapel? Pour ou contre? Non, oui. Non. Les contre l'emportent. La séance est levée. Notre ordre est trop prudent, Grayson. Notre immobilisme nous tue. Laisse tomber, Sébastien. Pas la prudence. Sir Perceval est très agité. Tu verras qu'il vaut mieux ne pas le contrarier quand il a une idée en tête. Bon, bah la séance est levée du conseil. Et la nôtre aussi. On va se laisser là, les gamers. Et on se retrouvera pour la troisième partie de The Order. Une série, j'espère, qui vous plaira et qui vous plaît. Moi, personnellement, ça me plaît. Voilà, c'est un jeu que je voulais jouer. Donc voilà, c'était soit celui-là, soit Bloodborne. Donc c'était celui-là, Donc voilà, bah, en espérant que ça vous plaît et que vous passez un agréable moment en ma compagnie, n'hésitez pas à liker, partager et commenter. Et nous, on se retrouve pour la troisième partie de The Order, ainsi que les autres vidéos. Allez, à bientôt !